Je m'appelle Traoré Nafisaki. J'ai 13 ans. Ce message est adressé à tous ceux qui gaspillent la nourriture. Gaspiller, ce n'est pas un bonheur. Partout, il y a des enfants, des adultes et des vieux qui meurent de faim. Il y a des gens qui passent leur temps à fouiller les poubelles pour trouver de quoi manger. Et d'autres n'ont pas la force pour ça. Alors que vous gagnez de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi vous soigner quand vous êtes malade et vous gaspillez. Vous passez votre temps à jeter la nourriture et d'autres choses. Mais pensez à regarder ces pauvres gens qui souffrent. Apprenez à partager, évitez de gaspiller, parce que c'est un péché que vous commettez. J'ai eu cette idée quand j'ai vu une vidéo d'un enfant de 7 ans, qui ressemble à un enfant de 10 ans, couché qui ne pouvait rien faire. Tout ça à cause de la faim. J'ai versé des larmes quand j'ai vu cette vidéo. Et après, j'ai vu une vidéo là où on gaspille la nourriture. J'étais dépassée, je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai eu l'idée d'écrire ce message pour demander à toutes et à tous d'arrêter immédiatement de gaspiller. Si vous gaspillez, c'est comme si vous jetez votre argent à la fenêtre. Parce que vous passez votre temps à gaspiller et vous ne l'avez pas consommé. Je voulais vous demander de l'aide pour lutter contre le gaspillage. Si je pouvais, j'irais lutter contre la pauvreté. Et si j'étais riche, je ferais construire des logements et chercher des vêtements, de la nourriture, la quantité suffisante pour les gens qui sont pauvres. Mais malheureusement, je suis une petite fille. Je n'ai pas de travail ni d'argent pour le faire. Mais je promets que s'il y a la santé, quand je grandirai, et si j'ai un bon boulot avec un beau salaire, je le fais. Je n'aime pas voir les gens mourir de faim. C'est mon pire cauchemar. Vous allez dire que je suis trop jeune pour donner des conseils aux gens. Mais ce n'est pas vrai. Si quelque chose vous traumatise, on trouve toujours une solution. Et c'est ce que j'ai fait. Je demande à tous et à tous ceux qui verront ce message de le transmettre à leurs amis et à leurs proches. Ce message concerne tout le monde parce que vous pouvez apprendre et le conseiller à vos amis ou vos proches. Mais si de m'aider à lutter contre le gaspillage, un grand merci à tous ceux qui me comprennent. Merci.